Salut à tous les copains et soyez les bienvenus pour ma nouvelle vidéo. Ça fait déjà quelques temps que j'ai pas sorti de vidéo, mais là je suis reparti pour un tour. J'avais eu un souci avec mon micro. Vous avez bien vu sur mon gameplay sur Days Gone, j'ai sorti des vidéos sans commentary. J'en avais plein la tête et je me suis dit, allez, je lance les images. C'est des belles images, j'ai pas fini. Je sais pas, en ce moment j'ai pas cette envie de jouer. Mais là, sur Metro Exodus, j'ai envie de connaître ce jeu. Ça fait un bout de temps que j'ai pas joué à Metro. J'ai joué, mais ça date énormément. Mais on va se lancer sur celui-là. Je sais pas de quelle année il est, je sais pas d'où il sort, mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Alors, on va commencer. Du coup, je connais pas du tout l'histoire. Je sais que ça se passe en Russie, si je me trompe pas. On va créer notre partie. Bam, normal. Je me souviens encore de la vie avant la guerre. Je me souviens que nous étions différents, que nous vivions là-haut, à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait, et nous avions même conquis le ciel. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais. Et je m'en souviens. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Dans les tunnels, qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal. Très intense comme cinématique. Franchement, j'ai kiffé. J'étais là devant ma télé en mode waouh.
Donc, ce que j'ai compris, ça s'est passé. Donc, il y a eu la guerre. Suite à ça, tout le monde s'est réfugié dans le métro où ils ont créé une espèce de civilisation. Sauf que, à ce que j'ai compris, alors j'ai pas très bien compris, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a une bombe nucléaire qui a créé des espèces de monstres chelous qu'on a vus dans la cinématique. Genre là, on a une espèce d'oiseau bizarre, donc je sais pas. Il y a des trucs chelous qui sont sur la surface. Et nous, on est en dessous. Et après, bah, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent combattre ces espèces de choses bizarres. Ou se défendre, j'en sais rien. Bon, on commence déjà sur un beau plan de catastrophe. Franchement, niveau détail, c'est vraiment excellent. Et là, voilà, ces espèces de monstres chelous là qu'on voit. Mi-bête, mi-je sais pas quoi. Donc, on est parti. Donc là, ouais, voilà, il y a des radiactions. Radiation. Parce qu'on entend le bruit du détecteur. Donc, là, logiquement, il descend chez lui, c'est-à-dire à l'abri, sous terre. C'est assez angoissant. Franchement, si un jour ça arrive, c'est assez. Ça fait assez peur en fait. Parce que te dire de vivre sous terre toute ta vie, franchement, c'est wow. Ça me fait penser à une série, je sais pas si vous connaissez, The 100 ou The 100 sur Netflix, où suite à ça, donc ok attends, suite à ça ils ont été envoyés mais dans l'espace, suite à une guerre nucléaire. Donc là je me dis bon c'est un peu pareil mais l'inverse, on est sous terre. Donc je commence avec une arme assez badass, un espèce de compteur et du coup la jauge de radiation si on voit bien, et on est sous terre donc. Je sais pas pourquoi il est en mode la défensive. Alors, peut-être que certains endroits sous terre n'est pas sécurisé. Mais on voit, il y a beaucoup de monstres. Donc là, lampe torche. Très bien. Et on est parti. J'ai pris aussi la décision de faire des vidéos plus courtes qu'avant. Parce qu'avant, alors là, il y a des monstres. Donc, c'est pas partout qu'on est sécurisé. Avant, je faisais des vidéos assez longues. Je me dis que, bon, moi-même, visionneur, c'est rare que je regarde une vidéo. Vraiment vraiment longue. Donc je vais essayer de faire des vidéos plus courtes pour ma chaîne. Donc j'ai vu une bête partir par là. Alors je sais pas, je vais pas la suivre, je suis pas un psychopathe. On va aller par ici. Normalement, bah, on peut. Est-ce qu'on peut toucher à ça là? Non, on peut ouvrir la porte. D'accord. Maintenir. Pour faire quoi? Briquet. On fout du briquet. Ah d'accord, briquet. Vas-y. Vas-y, pour faire quoi? Ah, j'ai mis le feu là? Ok, donc à mon avis, c'est pas par là quoi. Vas-y, range ton briquet. Là. On va aller par là. Donc je vois sur la jauge de son bras qu'au niveau radiation, on est bien. Ok, donc fallait bien que je suive la bête chelou. Je sais pas si c'est un jeu de. Ah, c'est quoi? Ah, voilà, c'est quoi ça? Ok, c'est des munitions. Je sais pas si c'est un jeu du genre où faut tout fouiller, quoi. Sinon, je vais manquer des choses. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il faut vraiment que je fouille la map au maximum. Pour ce premier épisode, je vais essayer juste de rush, entre guillemets. Oh là, c'est quoi ça? Ok, donc à mon avis, là. Ce que je vois là, c'est des toiles d'araignée. Ouais, c'est ça. Et du coup, je les brûle en fait. Ok, parce que je viens de voir des araignées, donc. Ok. Oh là, oh là, oh là, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il y en a un sur mon bras? Je rêve. Non. Ok, on continue. Je garde ma petite torche là. Oh là là, mais ça fait flipper au final en fait. On peut courir? Allez, on court. On s'en fout, on court, on court, on court, on court. Moi je veux voir un monstre, je veux voir quelque chose à buter. Allez, range ton briquet. Ok, non, reviens, reviens briquet, reviens. Parce que là, regardez. Il y a des araignées en fait.
Au final, faut que. Ouais, faut que je crame. Oh mon dieu! Voilà, les monstres. Les monstres, les monstres. C'est dégueulasse, c'est quoi cette chose? Casse-toi! Une balle! Ok. Je pense que t'es pas tout seul. Je viens d'où déjà? Je suis perdu. Ça bouge de par là, là. Wow, on va se calmer. Viens. Ok, au moins ils crèvent facilement. Ça doit être les petits monstres. Eh, hey, tu vas pas me tromper, hein. Vous étiez deux. Vas-y, moi je vais par là. Arrête. Viens. Non, casse-toi, je recharge. Pouah. Ouais, c'est des petits monstres à mon avis, ça, parce que je les tue un peu trop facilement. Ça sert à quoi ça? Ah, vous pensez que ça les attire, ça? La lumière? Bon. On continue. Quoi? On va se calmer, hein. Oh, y'a. Oh! Faut pas utiliser ça, hein. Je les entends. On dirait des loups ou des. Oh là là! Tu vas pas me faire chier toi, oh! On dirait un peu des loups ou des. Espèces de loups-garous chelou. Quoi? Vas-y, montre. En tout cas, à mon avis, c'est des humains que, à cause des radiations, se sont transformés en ces espèces de bêtes. Dépêche-toi! Ferme la porte. Je sais pas ce que c'est en fait. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est ou j'ai pas trop bien compris. Mais à mon avis, c'est ça. Faut que je fasse quoi là depuis tout à l'heure? Il se fait. Allez! Une règle. Sérieux? C'est le début de tout ça? Ah, mon pote. Venez m'aider au lieu de gueuler! Bah oui. Ah, ils se battent pour me manger quoi. Wow, mais je suis rentré dans l'antre des monstres. Yes, Duke, l'idiot. C'est qui l'idiot? La Damir. Artyom. Je m'appelle Artyom alors. Non? Wow, franchement, bon, c'était le début. Vous avez vu un peu, c'était un peu pour prendre la main sur le jeu. Et là, je viens de trouver des gens. Alors je sais pas si c'est mes potes ou si c'est juste des survivants qui m'aident, mais je pense qu'ils me connaissent en fait. Allez, dépêchez-vous, vous voyez pas que je suis en train de mourir là. Ok. Bon, à mon avis je vais être sain et sauf ici. À partir d'ici, à mon avis, les choses sérieuses vont commencer. On va arriver, on va reconnaître des gens, on va parler, tout ça. Donc je pense que c'est tout pour le moment. Nous allons nous quitter. Faut que je fasse quelque chose ou pas? Pas regarder. Allez, dépêchez-vous. Donc on va se laisser là. Comme je vous ai dit, je vais faire des vidéos plus courtes dorénavant. On se retrouve d'ici quelques jours pour la suite de l'épisode. Si vous avez kiffé ce début d'aventure avec moi, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie d'améliorer ma façon de commenter, d'améliorer mes vidéos au fur et à mesure. Et bah voilà, hein, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec la fin de la cinématique. Peace! Tu es réveillé? Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois? Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Colonel. Salut, Alex. Te voilà, crétin entêté.
Combien de fois on va devoir avoir cette conversation? J'en ai rien à faire que tu te tues à cause de ton rêve imbécile. Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille? À ta femme? Papa, je t'en prie. L'ordre est à court d'hommes après la bataille pour D6. Mais toi, tu t'en vas! Tu joues les égoïstes, alors que les gens ici ont besoin de toi! Il faut arrêter les conneries maintenant! Le métro, c'est tout ce qu'il y a, rien d'autre! Et l'ordre est là pour le défendre! Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui? Tu m'as l'air en état, alors prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. J'appelle le docteur. Artyom, s'il te plaît. Tu me promets que c'était la dernière fois. On se voit plus tard. Artyom, on a réussi à te remettre sur pied, mais... les gens te donnent leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapportes irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste? Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois.